Le ministère international de la nouvelle génération, appelé ONG Minouge Côte d'Ivoire, est un ministère international chrétien inspiré par Dieu Tout-Puissant à l'évangéliste Béni Mar Dion en juin 1999. La vision majeure du Minouge est de faire droit aux orphelins, aux veuves et aux indigents en particulier. L'ONG Minouge Côte d'Ivoire est un complexe social de trois entités apolitiques et à but non lucratif. Elle est une organisation religieuse composée de l'Église, appelée Église évangélique Réveil et Succès, du centre d'accueil des orphelins qui fait l'hébergement, la prise en charge complète des orphelins et enfants démunis, et enfin l'ONG Minouge Côte d'Ivoire, qui est une organisation non gouvernementale, religieuse, apolitique et à but non lucratif. Béni Mar Dion, c'est cet artiste chrétienne bien connu dans le milieu du showbiz ivoirien qui prend les devants pour la mise sur pied de cette organisation. Son histoire avec les veuves et orphelins de Côte d'Ivoire commence en juin 1999, pas cette phrase. Je vais fonder un ministère qui n'est pas une église, pour faire droit aux orphelins en particulier et aux veuves et indigents en général, selon la prescription de la parole de Dieu. Depuis 1999, elle s'est investie pour apporter un brin d'espoir dans la vie des personnes vulnérables de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le Minouge accueille, éduque et forme les enfants orphelins et ou déshérités. Soutien par des dons, les enfants orphelins issus des familles pauvres et vulnérables. Il leur offre un toit, de la nourriture, des vêtements. Mais surtout, au-delà de l'aide matérielle, il leur offre une éducation basée essentiellement sur la parole de Dieu et une formation susceptible de faciliter leur insertion dans la société, en les rendant autonomes et responsables. Depuis plus de 10 ans maintenant, Marthe et son équipe agissent dans d'innombrables domaines. Outre le service d'accueil de l'orphelinat, elle paye les frais de scolarité d'enfants qui ne pourraient sans cela aller à l'école, apporte une aide alimentaire aux familles dépourvues, vaccine, soigne, conseille, appuie la création d'activités génératrices de revenus ou apporte un soutien psychologique aux orphelins et veuves. Celui qui demeure sous la vue du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai refuge sous ses ailes. Sa fidélité est une cuirasse, un bouclier, une cuirasse pour moi. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui voit de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. De mes yeux seulement, la rétribution des méchants. Amen. Et une seule journée aussi peut donner la joie et changer le visage d'une veuve. Jusqu'ici, les actions menées sont légion et nous pourrons citer entre autres une journée de réjouissance des orphelins, journée internationale de la veuve, marquée par des distinctions dont la grande chancelière de la Côte d'Ivoire, Henriette Diakri Diabaté, pour ne citer que cette figure emblématique. Des remises de dons aux veuves musulmanes. L'écho est assourdissant, au point où une visite de Campus pour Christ s'en est suivie. Nous sommes ici pour aider les enfants et aider les orphelins. C'est désolé de voir les enfants dans ces conditions et je pense que c'est plus important pour beaucoup de gens d'aider des enfants ici parce qu'on a fait beaucoup de choses ici, mais ce n'est pas assez. Il y
y a beaucoup de choses à faire encore et beaucoup de choses. Et nous sommes ici peut-être 3 ou 4 fois par année, mais chaque fois il y a beaucoup plus de choses pour faire. Alors c'est important de motiver les gens pour aider les enfants aussi. Et pour ce faire, a besoin de partenaires, tant les objectifs spécifiques sont légion. Assurer la réinsertion socio-économique des veuves et des orphelins, surtout des couches les plus défavorisées et de toutes les confessions religieuses. Papa, j'ai des larmes dans mon cœur, je pleure que ces femmes ont besoin peut-être pour faire une activité de communauté. Elles ont besoin de 2 millions, 3 millions, de 5 millions, de 2 millions, 2 millions, mais nous donnons à des bandits, à des escrocs. Élaborer et mettre en œuvre une politique de prise en charge psychosociologique en faveur des veuves, des orphelins et des personnes indigentes. Assurer la réinsertion socio-économique des veuves et des orphelins, surtout des couches les plus défavorisées et de toutes les confessions religieuses. Concevoir et assurer une politique de formation, d'encadrement et d'alphabétisation en faveur des veuves et des orphelins. Servir de courroie de transmission entre les veuves et les orphelins auprès des institutions et organes nationaux et internationaux. Sensibiliser les veuves et les orphelins à la notion de l'épargne. Servir de plateforme de plaidoyer pour la cause des veuves et orphelins. Mettre en place une politique de promotion de la santé et d'assurance maladie. L'organisation non gouvernementale chrétienne Minoge, ministère international de la nouvelle génération, qui a vu le jour en juin 1999, attend donc des partenaires pour se greffer à son slogan. Souvenez-vous des orphelins et des veuves.